Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je présente mon casier. Bah non en fait genre non. Yo tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo casier. Donc c'est l'épisode 3 sur ma chaîne. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Donc voilà, on est parti sans plus attendre dans les traînées. Donc, on commence d'abord par la traînée cube, donc qui était à l'événement le petit Kevin, là, le petit cube qui a explosé. La vidéo est sur ma chaîne, si vous voulez aller voir. Allez, hop, petit placement, allez, hop, c'est parti. Donc ensuite, on a la broche décorée, donc il y a plusieurs styles. Je le savais même pas, mais bon, maintenant, je viens de le savoir. Arc-en-ciel, ballon de plage, cartouche... Bulle, bonbon, donc c'est un cœur qui s'ouvre avec. Pour moi, c'était plus des chocolats que des bonbons, mais bon. Y'a pas de panneau, y'a pas de panneau. Bifton, d'accord. Bariolé, banane, chauve-souris, chute, badaboum. Cette traînée là, quand tu l'as en game, tu vois plus rien, donc elle est pas très folle. Mais oui, c'est clair. La traînée cœur. Cristaux de glace, drapeau volant. Je sais pas pourquoi ils en ont pas mis deux. Erreur système, flamme agressive, donc l'événement Fortnite de mer. Flamme, fibre optique, ce que j'ai pas. Étoile filante. C'est kiff kiff. Mais celle-là, elle est pas mal. Mais pareil, on doit rien voir, je pense. Essence spectrale, flocon de neige, foudre, gaz d'échappement, glitch. Donc c'était la traînée PS Plus. Guirlande électrique, joli flocon, outre-mer, mallette secrète, luciole, lave, lanterne citrouille, lanterne. Toilette, donc ouais. C'est assez bizarre comment il tient ses papiers toilettes, mais... Alors le gain, hein. Peinture à la bombe, plante grimpante, plasma bleu, plume noire, popcorn. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je savais pas que j'avais celle-là. C'est quoi ça? Tube néon, trèfle, spectre, soupe, alphabet. Pas mal. Rune rétrofuturiste, je parle d'un nom. Et pour finir, la traînée volute. Et donc dans les planeurs, nous commençons par le planeur X, donc le planeur de victoire royale de saison. Ensuite le planeur de fondateur qui est exclusif sauver le monde, le parapluie du top 1, le parapluie du sauver le monde. Le parapluie de la saison 3 qui est pas mal du tout. Parapluie saison 5, parapluie saison 4. Planeur tout à fait normal. Quand t'arrives dans le jeu, t'as ça. Palmier de gloire, donc saison 8. Saison 9, celui-là aussi était pas mal quand il est sorti, mais maintenant c'est bon quoi. Grand froid, donc la saison 7. Flocon saison 2, celui-là était pas mal du tout. Déluge, donc chapitre 2 saison 1, et confidentiel, chapitre 2 saison 2. Arachnéen saison 6, et donc on va passer au planeur, soit de base de combat, soit que j'ai acheté, ou du sauver le monde, parce que j'en vois, je crois que c'est du sauver le monde, et même lui je crois, peut-être. Donc on a sillage bestial, seigneur du planeur. Royal X, rétrograde, planeur rose. Celui-là, je suis quasi sûr que ça va avec un skin du sauver le monde. Un pas vide, le Mako, donc la saison 1. Je suis assez deg de ce planeur là parce que, genre, il est exclusif pour ceux-là qui jouaient avant, tu vois. Mais vu qu'ils ont fait l'erreur de le sortir 12 heures dans la boutique. Certains ont pu l'acheter, donc ça le rend un peu moins exclusif. Mais c'était quand même au début du jeu, donc c'est pas mal.
passe d'armes. Alors, ces planeurs là je déteste, c'est pas beau. Pique-nique, planeur carbone. On va m'expliquer où il y a du carbone. Le fort est bon, qui a deux styles, un bleu et un rouge. Le flambeau cylindré, le bizarre que j'ai payé 500 e-bucks que j'utilise jamais. Air Royal, qui fait un peu un bruit rouloup d'un moment. Air Banane. Sillage bleu, PS Plus, hein. Pas mal celui-là. Timber. Canimé. Hein. Fréno tactique. Vive Noël. Verrou à bannière. Donc il y a plusieurs signes, mais je dois pas l'avoir, je sais pas. Agresseur écarlate. Aile des cimes. Qui est un autre style que je n'ai toujours pas débloqué. Serpent céleste. Planeur magique qui va avec Terreur Fluo. Et son skin homme. La Macorne Express, donc pareil. Grosse prise, friandise, flap flap, donc le deuxième parapluie, enfin planeur, PS Plus, égalisateur. Alors dans ma deuxième vidéo de casier, j'avais dit que j'adorais ce planeur, mais voilà quoi. Planeur là en ce moment, je le surkiffe. C'était bien quand c'était sorti, mais maintenant, voilà. Le dur planeur. Le chariot bâché. Viceroy MK1 que j'ai payé 12 euros. Voilà quoi. Turbo planeur. Pilonneur. Donc le Holy le planeur de Sky. Nuit noire. Naufragé. Luge de fortune. La locomotive noire qui était gratis en faisant des défis Fortnite Mare. L'intrépide. Oula. Ichthyos. L'éclabousseur, le Diaphane, qui était gratuit à un événement. Parce qu'il y avait du monde qui avait pas pu rentrer, puis au final, ils ont donné ça à tout le monde. Je sais même plus si j'étais présent à l'événement. Mais bon, c'est pas le sujet. Voilà, il est pas mal comme planeur, ça fait une économie. Hein. Démon Disco. Pareil, planeur PS Plus, hein, y en a beaucoup quand même. Hein. Conquérant. Les îles Turbo. Les ailes de Valora. Que ce planeur là quand il était sorti. En saison 4 c'était. Wouh. Le Faucon Millennium. Donc exclusif à l'événement Star Wars. Ainsi que le Chuchotorti. Et enfin. La locomotive de Travis Scott. Beaucoup joueront vu que c'était récemment. Et donc c'est parti tout de suite pour les tenues. Donc on va tout de suite commencer par le bas, hein. Logique. La Vénarde qui a maintenant deux variantes, donc c'est un signe 800 bucks avec deux variantes, c'est pas mal, un l'hiver et un l'été. On va tout de suite passer au soldat laineux, au sergent Steak, protectrice écarlate, donc il y a deux variantes aussi avec un bonnet. La pastel, donc c'est un cadeau, hein. Merci. Hein. Mercenaire, chauffarde, insigne du PS Plus, trilogie. La terreur fluo, donc voilà, skin mythique, hein, j'ai envie de dire. Soldat carbone, pareil, PS Plus. Bon, alors là, je préfère même pas le dire, le blaze. Donc voilà, c'est un mammouth en pyjama.
prodige, donc un prof de maths. Poiscaille, donc il y a 4 variantes. Donc la normale, le pirate, le VR et le World Cup. Ensuite, patrouilleur précis, donc le tout nouveau skin PS Plus. Lagune Starter Pack, il me semble. Joueuse décisive, donc il y a plein de variantes, chiffres, machin. La guerrière radieuse, fortune, écuyer bleu. La dynamo, donc skin de catch, un peu tryhard. La désordre, chevaleresse, chef de l'équipe bleue, donc tout premier skin PS Plus, il me semble. Chasseuse au crâne, donc sa variante fluo. La brise-lame, artificière. La Zoé, donc un peu space hein, quand même. Zébut, la vipère qui a une variante ultime effort que je n'ai pas fait. Celle-là, à mon avis, voilà, il y a une variante que je n'ai pas fait. Le Trog qui a sa variante aussi avec un peu de peinture. Voilà, assez drôle comme skin. Pas beaucoup de gens le mettent. Ensuite, on a le skin du pass de combat qui a sa variante aussi en or. Mais vu que je suis pas très haut level, forcément, je suis pas très haut en or. Pareil, la Tisson qui a ultime effort, mais que je n'ai pas fait non plus. Tirailleur bleu. Spationaute. Donc voilà, quand il tourne la tête, il voit plus rien. Soldat Ghoul. Donc bien évidemment, je l'avais pas avant qu'elle soit sortie. Donc j'ai que la variante, comme ça et comme ça. Ensuite, on a la soldat d'épices qui a 4 variantes de tête. Et de corps aussi, parce que enfin, 2 variantes de corps et 4 variantes de tête. Cramé qui rigole, machin, machin. Soldat au crâne qui a sa variante normale, qui sort avec des yeux bleus. Sa variante, pareil comme son skin femelle de la fluo, là. Qui se voit 3 km comme les sacs à dos Zelfluo machin. Ça se voit 3 km. Et enfin sa variante blanc et noir qui est pas mal du tout. Pareil, les skins sont un peu gros, c'est ça qui est dommage. Soldat à facette qui reste toujours un de mes skins préférés. Je le mets pas souvent, mais il est toujours là. Pareil, la Sky, qui a sa variante en or. Sergent Frimas qui a sa variante normale, Père Noël et Lama. La secrétaire de guerre, la sauveteuse, le fameux roi de la rouille, la poudreuse qui a 2 variantes. Le ninja du froid, son sac à dos est pas mal. Mister Banane qui a pareil sa variante en or, niveau 300, voilà, on va pas se mentir, voilà, mais sinon ces variantes là pas mal, on dirait juste un agent immobilier. Miaus Clé qui a sa variante en or, marteau pilon, ligne rouge, le skin d'IPCA, donc là ça le faucon, la lapinette bagarreuse qui a 2 variantes aussi. L'As, donc skin starter pack. Junisie du bunker qui a sa variante ultime effort. La grenouillère qui a pareil 2 variantes, une un peu plus cool et une hiver. Graffeuse, donc pareil, ce skin est pas mal quand il est sorti. Gardien des clés qui a 2 variantes et une variante de couleur. Défi ultime effort que je n'ai pas fait. Je savais même pas qu'il y avait un défi ultime effort pour lui. Donc sans masque et avec masque. Donc avec masque il est carrément stylé. Fier destrier qui a une émote intégrée. L'exploratrice lunaire qui a 3 variantes. Donc avec son casque, visière fermée et sans casque. Le DJ Lama. La cucurbitacée. Voilà, skin citrouille. Crépuscule, skin d'Halloween, pas mal aussi. Cobalt, chef de section. Chasseresse, chaperon,
Et donc on a Brutus, donc qui a une variante du côté plus clair et du côté sombre. Il a côté, le côté sombre est pas mal aussi, mais j'ai choisi le plus clair. Donc aussi, il est en or niveau 140. On peut le débloquer en or niveau 140. La petite banane, alors il est pas mal. Hein. Il a la forme toujours, coucou. Donc qui est réactif. L'assaillant alpin, alors là, ce skin, laisse tomber. L'ailier, donc son sac à dos est pas mal à lui. Agent rebelle, agent d'élite, donc qui a la variante casque et sans casque. La terreur sombre, donc variante payante de la terreur fluo. Donc terreur sombre, logique. Donc ensuite on est parti avec le zénith, donc il y a beaucoup, 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 beaucoup de variantes. Donc avec de la couleur, les étapes et la visière avec une couleur. Le voyageur noir qui se voit à 3 km avec ses lumières orange, mais il est pas mal. Voleur de cœur déchu, Valora, la sentinelle que je n'ai pas du tout monté. Même pas d'habitude, je collectionne les skins du palier 100. Et là, à ce moment-là, je vais arrêter, donc c'est raté. Donc le skin ruine, donc c'était un choix, truc des défis là. Le Rox, enfin la Rox, qui a deux variantes que je n'ai pas. Le roi des glaces, donc avec ses quatre variantes, bleu, noir et rouge, gris et blanc, et orange doré. Voilà. La ravage, donc signe légendaire. Le rapace avec ses deux variantes aussi. 2000 V-Bucks. Donc normal en mode aviateur et en mode Halloween. Le Ragnarok aussi qui a pas mal de variantes. C'est un skin du palier 100. Voilà. C'est pas mal. Hein. Peinture de guerre. Donc skin, je crois, du Sauveur du Monde, s'il me semble. Omega qui manque juste ça. Et ça ferait un skin pas mal. Hein. Le Nomad, pareil, avec ses variantes. Donc ses 5 variantes. Celle-là, elle est pas mal du tout. Mais après, sa cape, elle est assez grande. Voilà. Maya, la spécialiste, que j'ai décidé de faire comme ça. En full sombre, j'aime bien la lynx qui a pareil pas mal de variantes. Voilà, avec plusieurs couleurs, la noire est pas mal. Le lycan, pareil, beaucoup de variantes. Hop, et ces couleurs que je n'arrive pas à atteindre là, bleu, jaune et brun. Ensuite, on a le visiteur, donc avec ses pareil, pas mal de variantes à la tête. Le prisonnier, pareil, 4 variantes. Le faucheur, donc John Wick. L'hybride, pareil, pas mal de variantes aussi. Ils ont tous pas mal de variantes en fait, les signes. L'exécuteur, le cœur noir qui est pareil, 7 variantes. Donc. Le chevalier noir, hein. Mon seul skin à rare, j'ai envie de dire. Mais vu que c'est un skin de passe, c'est pas pareil que si t'avais acheté la goule à son époque, le soldat au crâne à son époque aussi. Ou la Recon Expert qui va bientôt sortir d'ailleurs. Le chef de l'équipe rose. Enfin, la chef de l'équipe rose. Donc voilà, là, c'est à mon avis le planeur qu'on a vu rose tout à l'heure, à mon avis, doit aller avec elle. Le carburant, calamité, la cible, ambre qui a ses variantes de couleurs, le skin Deadpool, pareil, qui a ses variantes sans masque, avec masque, et X-Force, et enfin le pack des glaces, donc voleur de cœur glaciaire, corbeau glaciaire, et la chevaleresse rouge glaciaire, donc c'est plutôt la chevaleresse bleue glaciaire, mais c'est pas grave. Et donc, les accessoires de dos. Donc, les ailes d'ange glaciaire. La boucle rouge glaciaire. Cache de fer glaciaire. Aile déchue. Cadenas. Bouclier noir. Donc, magnifique. Cet accessoire de dos, je l'ai H24. Il est magnifique. Bouclier anti-émeute. Batailleur.
altimètre, donc qui est réactif. Aile noire, cap des glaces, qui a 4 variantes de couleurs. Helium, donc qui est réactif au kill, il me semble. Exomodule, gros calibre qui a 2 variantes, argent et or. Linceul glacial. Lueur lugubre, sacoche de rapace, donc avec le signe rapace. Sabre lupin, donc le katana. Poursuivant, plume de métal qui a sa variante, plus badass que bien sûr que celle-là. Mais je l'ai pas fait. Pack Arrow, je bug pour pas grand chose. Mutine, système de support, katana de Deadpool, petit Kevin, donc le petit cube, hein, mais qui a fait mal à la map quand même. Sac sombre, les Sith, donc sac à dos Star Wars. Les ailes de néon qui sont réactives, qui sont énormes et qu'on voit de très loin. Bardachik, astromodule, arrière-garde, ami sucré, aile maléfique, aile du couchant. Buée arc-en-ciel, cadeau idéal, cape rouge, catalyseur, copain d'épices, coquille d'œuf qui a 2 variantes. En œuf pourri. À quel moment un œuf pourri c'est comme ça. Amirez qui a ses variantes en couleur. Le gros yeux, foudre tout farouche, qui est en variante fantôme, donc qui est clair, et qui a sa variante aussi en or. La forme d'onde, cuirassé blindé, cube de glace, Kyo qui a ses variantes, que j'en ai une que je n'ai pas. Alors j'ai celle-là, la dernière. C'est un peu bizarre tout ça. Mais bon, il a 4 variantes, j'en ai que 3, mais tant pis, c'est pas grave. Portail du gardien qui est réactif. Portail spectral qui a 2 variantes, une bleue, une verte. Radio transmetteur. Rhymus, qui en glace il est pas mal. Donc voilà, 3 variantes pour lui. Réserve de sucre. Roublarde qui a ses 3 variantes. Voilà, le shuriken de glace, donc c'est le skin de ninja de glace. Son shuriken il est pas mal. Mais sur Brutus, bien sûr. Brutus, comme il est énorme, c'est pas beau. Encore moins ça. Sac à boum, qui a sa variante en or aussi. Sac de survie, qui a ses 3 variantes. Sac de biais. Sac d'aviation. Sac d'aventure, donc en or. Donc c'est le sac à dos de Sky. Le tas de la rouille. Petit caillou, qui a ses 3 variantes. Tilleul. Ouais, je sais pas lire. Mais oui, c'est clair. Donc il y a ces 3 variantes en or en plus. Vol de la nuit. Audace bleue. Bouclier d'écuyer. Gâteau d'anniversaire. Par contre, pour les 2 ans, ils l'ont pas fait, je crois. Cobra. Calculette qui calcule les kills. Alors que tu sais, genre tu regardes au milieu de ton écran alors que c'est marqué en haut à droite. Cap inutile. Cadeau emballé. Réemballé, pardon. Brick et broc, bouclier royal, donc il n'y a absolument pas de différence entre celui-là et celui-là. Gratte ananas, lama de cristal, qui a ses variantes. Module de précision, panier marin, sac carbone, sac de précision, couronne guerrière, coin-coin, cervelle d'ours, smoothie, sac réglementaire, sac étanche. Le garçon de foin que j'ai payé 200 V-Bucks, que j'ai utilisé une fois, ça semblait qu'il n'y a rien et c'est énorme en plus. Sac d'alpinisme et enfin pour finir, le sac d'escalade, donc avec sa variante. Donc on va passer tout de suite aux pioches. Donc les pioches, j'en ai pas énormément, mais il y en a quand même. Mais c'est pas ouf. Donc voilà, vieille branche. Donc moi, le sauver le monde, j'ai pas du tout avancé. Du coup, j'ai pas les pioches extraordinaires du sauver le monde, là. J'ai ça. La techno-hache. Sillage. Sadiac. Écraseur basique. Éclat rose. Bananache.
plutôt pas mal. Zephyr, Ventus Ninja, donc pioche payante à 800 V-Bucks. Quand la faucheuse n'existait pas, il y avait cette pioche là qui la remplaça un petit peu parce que ça ressemblait. La trancheuse d'épices. Oh alors là, laisse tomber. Voilà, très belle pioche. Terreur, spatule et fourchette. Donc la reine dorée. Donc l'outil de collecte de Midas. Positron, pardon. Pioche sucrée. Pioche de spécialiste. Pied de biche. Morsure. Méga sucette. Jumeau pneumatique. Interrogateur. Impulseuse. Donc je crois que c'est la première pioche que j'ai eue, celle-là. H-mur. Donc il y a sa variante. H-calibur. Ouais, ou c'est peut-être celle-là en fait. Non, je sais plus. Ouais, je crois que oui, c'est celle-là que j'ai imprimé. H-calibur. H-vomina, pardon. Donc, c'est un glaçon, je vois pourquoi il l'appelle comme ça. Hache luisante, griffe, solide. Donc pas mal quand même comme pioche. La faucheuse. La dérailleuse, dent de scie, croque d'argent. Donc payante. Donc la saison 3. Hein. Coupe vague, contrôleur DJ. Clé maîtresse donc, qui est réactive. Clé en croix, brise roche qui a sa variante aussi, baudru, la pioche de marshmallow, hache glacée, vox qui est un micro, spectre des glaces qui a pareil pas mal de variantes, mais assez grosse comme pioche, la rupture, père gélisol, le marteau crooner. 15 balles pour que ça queen. Manette. Incendiaire. Immaculée. HEV. Donc dégueulasse. La griffeuse qui a 4 variantes de couleurs. La griffe du dragon qui a ses variantes de couleurs aussi. La fulgurante. Donc cette pioche là, elle est hyper badass. Mais quand tu tapes, le bruit il est. Ah, il est énervant ce bruit. Épée des légendes. L'entailleuse, la double fonction. La belle prise. L'adjuratrice. Et pour finir, la foudre rageuse qui réactive au kill. Et donc, pour commencer, on va commencer déjà. C'est pas vraiment de danse, mais c'est une balle de golf. Un ballon de basket. Un ballon de plage. Donc tout ça est chic. Donc, variante avancée. Donc, avec la danse Boogie Down. Casse la baraque, fièvre disco dans sa 800 V-Bucks, ensorcelante, électro shuffle, coffre piégé, la danse cœur, cloche de lama, flamenco, flon diablé, groovy, la macadabra, donc cette émote là, franchement, pas beaucoup de long, parce que bah. Si elle serait plus infinie, ce serait bien, mais là, 800 V-Bucks pour que ça fasse ça et que ça s'arrête, c'est un peu dur à mettre 8€ pour ça. Le robot pro du cerceau, la balle de golf, voilà, en version normale, baf, au galop qui est une version mobile, un aérosol, on s'en fout, esprimello, je vais mettre dans les favoris, voilà, bananana, voilà. Balle du masque, bourru, ça urge, danse du poignet, dab infini, coup de patte, conga qui est mobile, casserole qui est mobile, calcul mental, voilà 2 plus 2 égale 4. Je pense que beaucoup de gens le savent ici, mais je suis pas sûr. Démente, électro swing, ennui, esprit funky, extraterrestre, je cours. Insolente, donc voilà, une mot assez simple. Impatiente, Otmara qui était un partenariat avec Disney, je crois. Le floss, oula, il a les jambes qui va mal.
Flip Félin, Jeu de jambes, Joie de vivre, La chaîne micro, Le verre, Ma boule à neige, Meilleur Potkin dans ce mobile, Pointer du doigt avec ma super pioche, Pas le temps, Parade du poulet mobile, La danse paillette, Ondulante, Au calme, donc ça fait longtemps qu'elle est sortie, ça me semble. Popcorn, Posture du dragon, Rond des flancs, La danse rustique, Trombone triste, La danse tai chi, donc l'édité, hein. Tagadayuk in danse mobile, T'as perdu, Sous l'eau, Soara action, Tu déchires, Zinzin, Pirouette de la veuve. Ah ou, hein, comme il le dit si bien. Et enfin, nous sommes avec des émotes, c'est basique, des émotes vertes. Voilà. Donc on est parti avec les revêtements. On va partir par la fin. Tropique en néon, Tilted, Tache rose, Sentinelle, Saint-Valentin, Indicatif crâne, Espion et banane, Éclatant, Destin en dénim, Chaud et froid, Cathodique, un petit peu plus et c'était voilà. Bleu métallisé, Ananas, Acolyte, Symbole solaire, Rouge intense, Rayeur du tigre, Pierre précieuse, Petit cœur, Papier cadeau, oula oula oula, on va où? Mur, très beau mur. Y'a les hand qui arrivent. Malédiction, joli papier cadeau, glace indigo, flamme onduliculaire, donc qui est gratis. Flamme angulaire, donc qui est animé et réactif. Écaille de dragon, Durburger, disco, carbone et dorure, camouflage tropical, camouflage arctique, calico. Très bien. Bonne année 2001. Ah, elle est magnifique l'année 2020. Donc merci Epic Games. Bois flottant. Bleu rayonnant. Et enfin, mercenaire, donc qui est là. Le revêtement de Deadpool. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. N'hésite pas à lâcher ton meilleur like et à t'abonner et activer la cloche bien sûr. C'était Timoz. Peace.